francophonie se fait des ciseaux, t'entends? On fait du bruit! Patriote, c'est votre host Marc Awan. On est à la nouvelle époque. On a un gros battle about to go down. Je vais laisser d'autres mots introduire les MCs. Yo, faites du bruit pour le battleur à ma gauche, BK! Comment pourrais-je parler français comme mes voisins, mes pareils? Fouler la boue du pied, l'appeler la mienne. La traîner à mes semelles, m'en targuer, m'en vanter. M'en mettre plein la vue, m'en ennuyer. Me chantir chez moi, sinon aujourd'hui, du moins demain, si je l'étais indépendantiste pour mon amour. Comment pourrais-je vivre, oser respirer encore l'air pollué de mon pays vaincu? L'avenir bouché de mon pays englué? Supporter la brûlure des peines, l'incendie des drapeaux, le bruit des épées, l'exil des 37. Si je n'étais indépendantiste, oh mon amour. Oh! Oh! Fais du bruit pour ta poésie! Maintenant, fais du bruit pour le battleur à ma droite! Burns! Yeah! Hey yo, c'est pas trop mon genre de faire des gun bars, mais là j'ai le goût d'en faire un aujourd'hui. Mon gun a tellement de recul qu'on va changer l'heure d'une heure cette nuit. C'est avec un petit rappel, on change l'heure, oubliez pas tout le monde. Merci pour ce message des républiques. VK a gagné le coin de toss, il a choisi de laisser Burns commencer. Quand je dis nouvelle, vous dites époque, nouvelle! Yo, fuck yeah! C'est le jour J, le monde est chilled par ce duel redouté, Julien James Vernetti versus un authentique asexuel refoulé. Ouh! Yeah, le battle rap, c'est woke. Non mais check. Ça paraît là que t'en as une beaucoup plus grosse. Wow. Carrière que moi, ouais, je sais. Mais si on compare nos tout le body count, tu peux pas front tous les points G. Fuck ta quête vers les tops, ça pas trop d'étoffe. Tu passes de factual à Burns Dog, donc give up, bro. Tu vas finir par battle du en cette année. Wow. Pis si jamais tu parles de mon pop, watch your mouth, you're gonna get fucked. Yeah, genre 50 nuances de gay. Dire que je pensais que ça allait être occupation double la première fois que je participerais à une télé-réalité. Mais c'est drôle, j'ai fait tellement de dope, si le boy veut me smoke, c'est le gars qui a l'air J du temps qui va le faire mourir parodé. Okay. Une fois, tu m'as dit que tu buvais pas vu qu'il y avait de l'alcoolisme dans ta famille puis tu voulais pas le perpétuer. Comme si tu considérais que le oui c'était moins pire, tu fais répéter les erreurs que tu veux éviter. Sur la question, c'est est-ce que tu penses que je pense que tu penses que je pense que parce que je suis clean, je suis une meilleure personne que toi? Ouais. Ouais. Yo, ma psyché est dope comme un gars 22 mois clean and sober, sommet ça dans ta pipe pis fume-les. C'est rien d'être quelqu'un de vraiment discipliné. Puis je sais pas si t'as remarqué, mais j'étais en train de te kill facile en faisant juste des rimes en hey, 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 hey. L'ironie mesure 4 pieds 3 plus ta quête vers les tops égale tu vas tomber très haut. De ce jour, il voudra en voir la lumière, mais l'illumination, il vit pas ça, non, comme à Montebello. Là, c'est lui qui bat le trip, mais c'est moi qui ai mon voyage. Y'a pas de cash sur la ligne, donc je dois dire que c'est bien dommage. Pleurote, Moré, Porto Bello. Coup-ci, y'a pas de Paris. J'arrive avec deux quoi de plus sauvage. Viens, je t'entraîne, t'as cook boy. Trissolé dans le bar avec une copote de gousse d'ail. Je peux sentir tous les fous frissonner dans peur que leur boss fucking parde. J'aurais plus peur que ce soit mon nom de blues qui ghost right. Parce que lui, c'est ghost right par aux dates. Hey, les fous se passent plus de ligne qu'une soirée de freestyle nostalgique entre Card, Québec CS, pis Lampac. Wow! Uno! Ah, du bruit pour Burns! Yeah! La réplique! VK! Hey! Si vous voulez faire du ball rap, je ne vous le conseille pas. Parce que tu te ramasses à devoir dealer avec les pires imbéciles de la Terre. Là, ils me demandent « Pourquoi t'es frontveuse après avoir affronté Factual? » Hey, le cas, parce que les gars me payent pour le faire! Yeah. On va y faire comprendre que c'est jamais fait comprendre dans un autre scène, il y a jamais eu une présence définie. Mais t'es, il va être humoriste par mécontentement et pour lui, c'est mort comme juste pour rien, vu que son moment, c'est fini. Au Versos, Pure Word Up, j'ai des classiques que personne n'oublie. J'aurais pu être la mascotte des deux équipes, mais je laissais ça à Youpi.
Mais avant de continuer, qu'est-ce que j'ai préparé pour vous autres aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer le pourquoi du comment que je me ramasse après factual devant un dos aussi pourri. Genre, Parka me contactait parce qu'elle a besoin d'un vainqueur. Il me dit, j'ai une assiette pour toi, mais ça risque de te décevoir. Ouf, quel mauvais service de traiteur! J'ai dit, n'aie peur. Tant sur tête, tu me pèches, je vais manger n'importe quelle merde que tu mets devant moi. Je suis un peu devenu comme un testeur. Il m'a proposé Verns, celui que j'avais percé où était il parce qu'il passe son été parmi les îles avec les pêcheurs. C'est pas un péché, et peu importe est-ce qu'il kickflip, il a pu se casser la gueule sur les planches un peu comme un vieux skater. Quand il m'a proposé ça, je trouvais que le match-up c'était con, puis j'étais sûr que c'était une erreur. Pour penser à ça, Parka doit en fumer du bon. Mais une chance pour vous autres que j'en fume du meilleur, enfin! Je suis rendu un mélange de Card puis José Yvon. Ce que t'as fait, c'est prendre. Bon cap. Tout ce que t'as fait, c'est prendre le nom de Jules Verne, acheter un Z. Soit pour le rendre plus haut, soit pour le rendre un peu moins long. Tout le monde le sait que je t'ai influencé. On se demande juste sur à quel point environ. Mais si vous commencez à dire que j'étais influencé par la plume de Verne, on rentre dans la catégorie de la science-fiction. Tout ce que t'as fait, c'est prendre le nom de Jules Verne puis acheter un Z. Je sais pas pour qui c'est faire et je ne sais pas pour qui c'est pour. Mais ce Verne-là écrit ses textes de Montgolfière, le tour du monde en 80 jours. Fait que Parka, tu mets des étrons comme ça sur mon chemin, mais pour vrai, jamais ça me freine. Parce que je crête le verso comme si je promenais un chien. Vers l'avant, je tirais la chaîne. Jamais Vernetti va être parmi les étoiles, parce que son style alien la scène. Fait que vous avez donné à Vern E.T., celui qui est parmi les étoiles avec le style le plus alien de la scène. Fait que retourne te faire du thé avec du moche, parce que c'est ta camomille secrète. T'as jamais été capable en 10 ans de devenir quelqu'un que la scène respecte. À un moment donné, t'as essayé de filmer les bandes, j'ai pas trop compris le concept. Je me suis dit qu'il s'est dit, ça va jamais être Jamaï, après ça va essayer d'être Zef. Peut-être que je suis planté ici et là, il y a juste des cartes qui banalisent le reste pour vous faire oublier que jaune sur les moments importants comme de l'analyse de texte. Pendant que je suis au bout des doigts, tu peux retourner faire ton truc sur des petites planches, un peu comme un enfant qui joue au tech deck. Parce que c'est pour ce qui est des gars qui ont copié mon style, il y a peut-être bien juste Wisdom que je respecte. Puis, tu connais rien justement, c'est un style d'épée. Puis je vais vous prouver que c'est un des plus gros crosseurs que j'affronte. Parce que c'est Speeds. Quand tu Speeds, les images sont fermées, c'est lui qui les a fermées, c'est des années qu'il essaie de blâmer sa blonde. Facile. Nice. Un zéro. Une passe éveuse de marge, j'aime bien après. Deuxième round. Burst. Tu sais, d'habitude, dans mes battles, j'essaie d'être nuancé puis de parler du real shit comme peu puisse oser le faire. Toi, de quoi tu nous parles? Toi, c'est encore ici quand tu nous dis dans tes temps libres que tu fasses la recherche universitaire. De quoi tu nous parles d'autre de ta vie à part que t'aimes mettre ta bouche sur plus de Jean-Guy que ton père? Hey, voulez-vous que je vous montre c'est quoi de parler de real shit? Vas-y. Ok, check it. Okay, c'est bon, attends. Ok. Parce que c'est vraiment déconcentrant, le fait que t'es vraiment pas tant grand, c'est wow. Ok. Non, mais yo, filme ses mains. Il y a des fucking petites mains, là. Ok. Real shit. Yo. Quand j'ai trouvé mon père mort, ça a fait fucking mal. Mais quand je regarde tes mains, ça n'a pas rapport, mais j'ai vu à quel point j'ai des fucking mains normales, yo. T'as tellement des petites mains, le matin, il mange ses céréales avec une petite cuillère. Le midi, il mange sa soupe avec une petite cuillère. Après le battle, on va te ramasser avec une petite cuillère. Puis quand tu cadres une femme, c'est toi qui fais la petite cuillère. Let's go! What? Viens pas nous faire croire, mon petit D'Artagnan tout tremble, qu'au lit tu fais le fou avec ta copine. Les seules fois que t'es vraiment pris des doigts d'une tente, c'est par ton chef scout en camping. Oh. What? Toi que slut shame et waka pour avoir fait un trip à trois, c'était juste la calice d'hypocrisie. Toutes tes relations sexuelles sont à trois si vous t'embarques ses épaules d'autres dates pour embrasser une fille. Oui. Yeah! VK aime les filles grandes comme Parka, mais en tout cas... What the fuck? C'est vrai que VK amène le genre de scheme dans un siècle, on va encore se rappeler. N'empêche qu'au date, t'es pas trop dans avec le concept quand Vincent l'a appelé. Hey, G, j'ai trouvé une fille pour fourrer. Oh, s'il te plaît, faut juste pas t'aille peur.
Oh là là, Ciboulot Scooby-Doo, ça a l'air ben trop hardcore. OK, OK, si t'acceptes, je vais te laisser de m'enchaîner au Verso Cypher. Wow. T'as pas tout le temps. Yo, peut-être que tu dis que qu'est-ce que je dis, c'est n'importe quoi, mais c'est normal. Mon point, c'est la manière que tu parles de cul en général, ça paraît en tabarnak, tu sais pas de quoi tu parles. Yo, j'arrive avec le genre de punchline qu'au final, on va me dire, Julien, sérieux, t'es tellement con. Mais c'est pas de ma faute si sa vie sexuelle se résume à « Check, bébé, je comprends là t'es pas venu, mais mon battle va être grissement bon. » Yo! Yo! Let's go! Deuxième round! Hey, encore une fois! Faire du ball rap, c'est de voir du legs du monde qui te raconte de l'hostie n'importe quoi. Dans ton premier verse, tu dis « je suis asexuel », tu parles de la vie sexuelle. S'il te plaît, décide-toi. À ce point-là, je veux faire comme l'auteur des Cantouches. Parce que tu tripes comme moi, comme si tu t'appelais Pauline Julien. En ce moment, j'arrête de te parler de Gérald Godin. C'est pour ça que je ne pouvais que rire quand je vais traiter d'incompréhensible par un imbécile qui ne connaissait rien. Je sais pas tu viens de trop où dans le fond, je sais même pas tu proviens de quel patelin. Je sais que dans le temps, t'étais toujours sur les champignons, un peu comme un nain de jardin. Checkez-moi planter ce cave-là, parce que mon tableau de chasse, j'ai plus de tête sans voir. J'ai celui qui a le plus de tête sans voir la taille de parka. Dans le temps, il se popait ses tiges de champignons, pas parce qu'il voulait se faire enlever un tracas, parce qu'il était à la recherche d'un miracle spirituel individuel comme un verse de Waka. Fait qu'il a pris son 6 grammes, il a attendu un bref moment. Tout d'un coup, dans la pièce, il est apparu un éléphant. Qui a dit, Julien, dans la vie, faut profiter du moment. Le bonheur, c'est éphémère, on n'est jamais ici assez longtemps. L'argent n'a pas d'importance. Faut que tu dises à ceux que tu les aimes plus souvent. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est déroutant que les gars ont besoin de faire de la drogue par vous au niveau émotionnel d'une fille d'à peu près 12 ans. Fait que tu peux retourner jouer le rôle du clown psychédélique comme une dose de DMT, mais sache que tu n'es pas mon vrai pote, pof de CBD. T'es juste encore là, parce que les milieux niches vers le bas vont niveler, pendant que moi, je leur donne des auréoles en arrivant sans soutien comme des mamelons libérés. Pour ceux qui ont vu Better Call Saul, vous conviendrez qu'il y a un peu la même tronche que Lalo. Qu'est-ce que je fais point de vous dire, ça a plus ou moins rapport, c'est juste la rime avec le prochain ton de mots. Genre. Ah, OK. Genre, mon nouveau wing me faisait penser à ton lieu de travail. Ça, c'est un patch beau. Puis j'ai réalisé que le seul moment que je peux faire dépasser par Julien à soi, si au-delà tu passes trop. T'as jamais été mon ami, t'as jamais te considéré mon bro, mais quand t'as affronté de feu, t'as dit de quoi que j'ai trouvé ortho. T'as dit, la réalité au battle rap québécois, c'est pas drôle. Je me suis dit, OK, je vais pas le regarder de haut. T'as dit, faut caller off à la job, puis pratiquer jusqu'à ce que t'as plus d'eau chaude dans la douche. Wow, tu vis vraiment un vrai fardeau. Premièrement, je peux vous assurer que c'est complètement faux. Puis deuxièmement, même si c'est vrai, c'est juste prouver que même quand il rappe dans la douche, il fait baisser la température avec son flow. Oh. Facile! Oh. 2-0, est-ce que? Je vais faire les jokes de 7. Troisième round! Le meilleur de tous les temps, G. Le meilleur de tous les temps, G. J'ai vu ton verso Cypher, t'étais loin d'être le meilleur sur tous les temps, G. Let's go! T'es supposé être le meilleur en battle de tous les temps, G. Puis t'as actué le pire pour même prononcer le mot battle de tous les temps, G. C'est genre, barrel rap, yo. What the fuck is that, man? Yo, vas-y doucement. Si le coin n'est pas d'accord avec moi, je dirais que toute la foule ment. Quoi? On dirait que ça te fait chier la manière que je parle du bowel movement. Lui va dire, non, ce n'est pas vrai. Tout le monde parle comme ça au Québec. Non, Véka, puis tu le saurais si tu tenais avec d'autres mondes que ton boy Odette. Toi pis tes calices de référence d'hockey que personne sait c'est qui. Sérieusement, c'est vraiment pas si sick. Surtout que juste ton boy Odette qui réagit. Hey, j'imagine quand il appelle son gars pour du weed. Hey yo, je suis à sec de 39. Comme Dominique. T'as pas le tu? Dominique à sec, numéro 39, Buffalo 92-98. Let's go! For real, c'est très très weak. Honnêtement, j'adore juste le goût de te couper la parole comme un accident très très freak. Parlant de freak, votre fucking crew c'est quoi? Des retards, des nerds, des rednecks? Vous êtes sortis tout droit de la tête de Matt Stone, Trey Parker qui ont fait tout plein de mètres?
Hey, puis en plus, il se passe dangereux. Il nous laisse le sang glacé d'épouvante jusqu'à temps qu'ils nous sortent leur secret weapon. De singe qui se pointe en chaise roulante. Fucking Maître Nord qui sort nulle part comme moi, je fais du jujitsu. Je suis là pour les protéger durant l'event. Puis après, tu peux le voir. Puis après, tu peux le voir mettre une laisse sur chaque choker des fous. Puis c'est sa job de promener des chiennes. Wow! But don't get me wrong. Rentrer des fous, c'est pas si facile. Déjà, c'est, t'es inadmissible si tu sais rapper. Hey, VK, t'as la plume, le charisme, l'attitude. Imagine si seulement tu savais parler. Oh, ouais, yeah, yeah, yeah. Oh, excusez, pardon, c'est vrai. Vous allez gagner grâce à quoi? Le pouvoir de l'amitié. C'est comme tes punchs friands d'actualité. Je te le dis, c'est whack, c'est vide, ce n'est pas très fou. Je te dis fuck your friends parce qu'en réalité, très vite, l'impact périt comme Matthew. Ça fait longtemps que VK est plus avant-gardiste, mais on a encore pogné avec sa grosse face de retard. Puis by the way, just for the record, j'ai battle aux îles de la Madeleine en chandail bed-in ben avant Jack the Wizard. Let's go! Hey. Sur VK! Hey! Sérieusement, sérieusement, je vous conseille jamais de faire du ball rap. Quelle façon de merde de finir sa semaine! Imaginez! Je viens de faire dire que je suis pas articulé par un gars qui a toujours eu une prononciation pire que la mienne. Puis honnêtement, avec nous, je trouve que t'es un peu cruel, mais je comprends que t'es jaloux de Jeff, parce que sa chaise fait plus de bruit que t'en as jamais fait avec tes duels. Pour vrai, les balles rappeurs qui parlent une fois à chaque 15 mois, c'est pas solide. Il y a beaucoup d'organisateurs qui vous ont dans le cul, mais qui vont pas l'admettre comme des hémorroïdes. Personnellement, je vais en tabarnak. C'est juste que je trouve que pour vous autres, c'est une chose plate. Parce qu'à chacune de vos intros, vous devez annoncer que c'est votre comeback. Certains diront que j'en mets trop, mais disons que je suis en train de le mettre sur la bonne track une fois que je fais disparaître du jeu, là, un peu comme il a fait avec son nom de rap. Qui aurait cru que 12 ans après ton battle contre Gino, te faire planter par le Master, ça te réarriverait? Ils m'ont dit que sa sœur, c'est une belle poupoune avec des gros Joe. Fait pourquoi son bro vient ici agir en calice de lait? Il y a un gros problème dans ton approche, puis je pense même pas que tu le savais. Puis si t'étais intelligent à ce point-là, je pense que tu le saurais. Sais-tu pourquoi? T'as jamais percé dans le battle rap, peu importe tous les efforts que tu donnais? C'est pas que t'es pas bon, c'est juste que t'es mauvais! Pis en plus, tu passes tes étés dans le coin de Havre-Aubert, à travailler sur un bateau, c'est que la seule qualification, c'est de ne pas avoir le mal de mer. Rire de lui, qui descend à l'étang dans son soude de singe, je ne vais pas le faire, parce que dans son uniforme, il doit faire des faveurs au capitaine, comme si c'était Valence Leclerc. Une fois, il essaie de partir une ligue aux îles, c'est une chose du passé. Le projet n'était pas débile, certains d'autres auraient voulu y aller. D'organiser un événement, de trouver un public, moitié humain, moitié crustacé. Mais la seule chose sur la carte, c'est un barreau de Vern, disons que la population locale en ont eu assez. Parce que tu rates comme si tu pensais que c'est du jazz fusion, ciboire. Ces temps-ci, j'ai peur de mon reflet, pendant que cette épée se prend photo dans le miroir. J'ai entendu dire que t'avais fait 20 barreaux, j'étais pas capable d'y croire. J'allais faire mes recherches, en fait, on a fait 17, donc j'ai trouvé ton mensonge bizarre. Tout ce que tu fais, c'est nous mentir avec une image d'artiste obscur comme un fraudeur de la Côte d'Ivoire. Mais t'as jamais été élite, fait que te faire ouvrir et dormir dessus, c'est ce que fut ton histoire. Fait que voir que c'est le champion du World of VK que t'essayais de pogner quand ton style pourrait se définir par démarche qui plafonne comme un escalier de grenier. Ça t'apprendra à rien d'autre qu'un esti de moron pas trop vite. Ils m'ont dit de notre singe une influence. Je ne peux pas croire que le produit, c'est toi comme une application gratuite. Si tu serais revenir après ça, par cas, te dirais pas trop vite. Vous êtes quoi, ils me ramènent après chaque performance parce que sur YouTube, les dudes en recommandent comme un algorithme. Puis honnêtement, si t'es rendu sobre, je ne te ferai pas de félicitations. Parce que sérieusement, envers les gars qui font du ball rap et qui ne font pas de drogue, j'ai preuve de discrimination. Parce que sur leur mentalité, je vais poser solides questions. Parce que de mon côté, je serais me pointer sur un event sans être sous l'influence des drogues puis trouver qu'est-ce que vous faites, c'est bon! Mais 42 barreaux puis je suis encore ici, vous sors c'est quoi raison? Parce que tant que sur longtemps qu'il va y avoir des fous dans la place, mais qu'on va sentir à maison! Facile! 3-0, même pas stylé, une goutte! Je n'ai même pas capable d'exploiter la caméra pour dire de quoi d'autre.